Encore une fois, l'éclairage il est pas top, mais il pleut encore. À chaque vidéo que je fais, à chaque fois il pleut. J'ai vraiment de la chance, tiens. Salut toi! Comment ça va bien aujourd'hui? Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer mes créations du mois d'avril. Eh, parce que là on est mois de mai. C'est mon mois préféré, parce que c'est le mois de mon anniversaire. Ouais, donc ça me fait chier. Ouais, la semaine prochaine. Oh, putain, c'est déjà la semaine prochaine, je prends un an de plus. 32 ans! Bah ça va, je les fais pas. Là et puis là je les fais pas. Donc c'est bien. Ouais, ça me fait chier. J'ai eu du mal à avaler la barre des 30 ans et là c'est de pire en pire. C'est la vie hein, on n'y peut rien. Voilà. Donc du coup aujourd'hui je vais te montrer mes créations du mois d'avril. Donc il y en a en résine et en polymère. Il y a plus de polymère que de résine. J'ai plus de résine, alors j'ai fait ce qui me restait et bah du coup j'ai pas grand chose. Voilà. Donc comme à chaque fois, tous les bijoux que je vais vous présenter dans cette vidéo là, ils sont déjà tous disponibles sur ma boutique. Le lien est en barre d'infos. Maintenant j'ai deux boutiques, j'en ai une pour les créations et une pour les après. Donc voilà, de toute façon, comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas à les voir. Donc j'ai encore plein de choses à te dire, mais je peux pas te les dire dans cette vidéo là, parce que ce genre de vidéo là, c'est déjà assez long comme ça. Alors, si en plus je rajoute du blabla, ça va être interminable, donc c'est pas possible. Alors je l'ai dit, il faut vraiment que j'arrive à faire cette vidéo blabla. Alors je sais que ça intéresse pas grand monde, mais bon, les 6 mois que ça intéressera, et bah ça sera toujours ça de prix. Hein. Et au moins, moi je serais tranquille, j'aurais dit ce que j'avais à dire et j'aurais pu me tourmenter quoi. Ouais, j'ai remarqué aussi que mes vidéos c'était plus trop ça en ce moment, que vous étiez de moins en moins nombreux à venir les voir, à venir les commenter. Et je sais toujours pas, enfin je sais pas pourquoi. Je sais qu'à mes débuts j'avais énormément de commentaires, j'avais même du mal à vous répondre parce que vous étiez trop nombreux. Et maintenant je vous compte sur les doigts d'une main quasiment. Plus ou moins. Alors c'est bizarre, je comprends pas parce que j'ai pas changé, je suis toujours restée la même. Mais je me dis que c'est peut-être parce que je suis trop rengaine, c'est toujours la même chose qui se passe sur ma chaîne YouTube et puis qu'il y a peut-être besoin de changement. Enfin je resterai la même, hein, mais peut-être que j'ai besoin de rajouter des nouveaux contenus, peut-être. Je sais pas. Mais je vois voilà, le temps qu'on passe pour faire des vidéos et qu'au final il y a très peu de retours. Ça reste coincé ici quoi. Mais bon, c'est pas la première fois que je le dis en plus, hein. On s'est rendu compte. Hein. Mais bah voilà. Peut-être qu'il faut que je change, que je ramène des nouvelles choses sur cette chaîne là pour raviver la flamme, j'en sais rien, mais ouais, bref, ma dernière vidéo c'était un flop total donc ça fait mal quand même, l'air de rien, c'est frustrant, hein. Mais bon. Bah c'est comme ça, c'est la vie. Moi j'adore faire des vidéos de YouTube donc je continuerai, y a pas de souci là-dessus. En plus ça me permet de me libérer parce que je suis très 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 timide et très renfermée sur moi-même. Et quand je fais des vidéos YouTube, je peux être moi-même, je peux être vraiment libre, je peux faire ce que je veux. Donc ça c'est cool, moi ça me libère beaucoup. Donc, moi je continuerai de faire des vidéos YouTube même si ça te plaît de moins en moins à des personnes. Bah tant pis, moi je continuerai quand même, même si je suis toute seule comme une con. Ça a l'air débile. Enfin bref, voilà. Bon, j'arrête. J'arrête de m'apitoyer sur mon sort et je vous montre tout de suite les créations que j'ai réalisées au mois d'avril. Et on va commencer avec celle en résine. Voilà. Je commence à perdre ma voix. Donc, je me suis amusée à refaire des petits cadres, des petits supports camés, des cabochons. Non, des camés en résine. J'en avais déjà plein. Je vous avais dit que j'avais plein de petits cadres comme ça et puis j'avais peur. J'avais du mal à m'en liquider, mais du coup bah, j'en ai refait quand même parce que j'adore ça, je trouve ça très joli. Donc bref, voilà, j'ai fait tous ces petits cadres là, donc là j'en ai 5 en résine. Donc il y en a c'est avec du perlex et d'autres avec des empignatas. Bon bref, voilà, 5 petits cadres en résine pour accueillir des futures petites fées ou autres. Ensuite, tu vois, je suis pas spécialement fan, mais j'ai voulu faire un test. Je vous avais montré ça dans une vidéo haul. J'avais acheté un moule rose chez Nose pour que dalle, et j'ai voulu le tester avec la résine pour voir ce que ça allait donner. Et bah voilà. Donc j'avais coulé de la résine transparente, logique, à l'intérieur, et j'avais mis plein d'encre pignata à l'intérieur, et j'avais fait un schmimblick. Sauf que bah, ça a pas du tout fait ce que je voulais. Donc voilà, là j'ai une petite rose comme ça, avec aucun effet. Je sais pas comment dire. Enfin bref, voilà. Là pour l'instant, je l'ai laissé tel quel, mais je pense que je vais y rajouter une petite fée ou je sais pas quoi dessus. J'en sais rien, on verra bien. Mais pour l'instant, voilà. Il est en stand-by celui-là. Ensuite, j'ai une petite bille comme ça. En fait, c'est un reste. J'avais oublié de la résine au fond du moule, mais il n'y en avait pas assez. Donc, du coup, je sais pas m'exprimer, c'est horrible.
j'ai rempli le moule avec le reste de résine que j'avais et du coup j'ai obtenu cette petite bille là. Elle date d'il y a très longtemps, le début de la bille, et je sais même plus comment qu'est-ce que j'avais fait. Je pense que c'est de l'encre piñata avec de la feuille d'argent, mais je sais pas. Enfin bref, voilà, j'ai terminé cette petite boule là, cette petite bille là qui date de la dernière fois, donc il y a plusieurs mois de ça. Et là pour l'instant je sais pas quoi en faire, on verra bien. Ensuite j'ai réalisé ce petit sautoir, un colibri façon aquarelle entre guillemets, dans un cadre en résine qui est pareil, ce cadre là je l'avais fait il y a un petit moment déjà. J'ai coulé de la résine à l'intérieur avec un petit oiseau, un petit colibri. Ensuite j'ai refait mes petits papillons résine que j'aime tant. Donc on commence avec celui-ci, c'est un petit papillon dans les tons rouge et jaune sur une petite lune. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai celui-ci, un petit papillon vert, comme ça. Enfin, petit, tout est relatif, hein. Et dans le même style, j'en ai un bleu. Et pour terminer en résine, voilà, ça a été très rapide. Celui-ci, je le garde pour moi. C'est un colis que je me suis fait personnellement parce que au mois de juin, il y a mon cousin qui va se marier. Et je tenais vraiment à me faire un colis qui claque, quoi, qui a un truc qui envoie, qui fasse joli. En plus, j'ai une robe. C'est très rare quand je mets des robes. Je déteste les robes, j'aime pas ça. Mais pour les mariages, je fais exception, je suis bien obligée. Donc du coup, j'avais une jolie petite robe bleue que j'avais eue chez Cash Cash. On s'en fiche, hein, Cash Cash, c'est mon magasin préféré. Je dis ça, je dis rien, on s'en fout. Et du coup, je voulais un petit collier pour aller avec. Et je me suis fabriqué sur un grand connecteur plume, j'ai rajouté trois petits papillons bleus en résine. Donc, les finitions sont assez grossières, je l'avoue. Mais je voulais vraiment que ça tienne le coup, que ça se casse pas. Donc j'ai mis pas mal de résine pour que ça tienne bien. Mais je l'adore. C'est mon petit coup de cœur. Franchement, je le kiffe. Pour aller avec ma robe, il va être parfait. Je suis très contente. Voilà, donc là, celui-ci, il est pour moi. Pour le mariage de mon cousin. Et non, j'ai dit des conneries, c'est pas tout. J'avais oublié, j'ai trois petits trucs de rien du tout. J'ai réalisé une petite broche comme ça pour la fête des mères, pour ma maman. Il y aura autre chose, il y aura pas que ça, hein, la pauvre. Je veux pas lui donner qu'une petite broche comme ça. Donc voilà, c'est un petit papillon en résine avec les poudres Permex. Non, la Cernite Sparkling, excusez-moi, autant pour moi. C'est la première fois que je l'essayais. Donc voilà, j'ai fait ce petit papillon là, en résine, avec un support de broche pour ma maman. Ensuite, j'ai une petite bague pour enfants, un petit anneau pour les enfants, et avec un papillon en résine que ma fille m'a déjà piqué. Donc celui-ci n'est pas disponible à la vente parce que ma fille me l'a prise. Donc du coup, il faut que je refasse une nouvelle petite bague pour enfants. Parce que sur la boutique, pour l'instant, j'en ai qu'une bague pour enfants, donc je voudrais bien en faire d'autres. Une petite bague papillon en résine pour enfants qui n'est pas disponible malheureusement.
Et la dernière petite chose en résine, c'est cette bague avec une rose. Couleur pâle. Donc là, j'ai mélangé perlex et empignata. Et donc là, c'est bon, la résine c'est terminé et on va passer aux choses en polymère. Bon, il n'y en a pas tant que ça non plus. Hein. Faut dire que les 3, même les 4 premières semaines d'avril, je n'ai rien, mais alors absolument rien foutu. J'ai fait aucune création. À part celle en résine. Ouais, mais sinon les 4 premières semaines d'avril, bah oui, les 4 premières. J'ai travaillé que la dernière semaine d'avril et puis bah, j'ai triché, j'en ai fait un petit peu début mai pour vous montrer un peu plus de choses. Mais bref, voilà, les 4 premières semaines d'avril, j'ai rien foutu. Donc bah là, j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. Voilà. Donc pour commencer, j'ai ce petit bracelet. En fait, j'ai récupéré ce bracelet-là. Il y avait une vieille création dessus que j'ai enlevée. Et bah, j'ai fait celle-ci par-dessus. Avec un silk screen et des ongles pignata. Que j'ai bien évidemment poncé. Voilà. Donc il est tout simple, il n'y a pas de chichi. Et au début, je voulais le mettre pour le mariage de mon cousin aussi, mais non. Le bracelet est bronze et mon collier est argenté, donc ça va faire très moche. Alors, on verra bien. Mais je crois que je le garde pour moi, celui-ci. Et un autre petit bracelet avec une rose dans les tons violets. Voilà, prune. Une rose prune. Tout simplement, sur une estampe filigrane bronze. Ensuite, j'ai réalisé deux petits bijoux pour les sacs à main avec des perles que j'avais réalisées en polymère et poncées à la main, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. J'en ai un dans les tons dorés et blancs, blanc grisonnant. Cette petite perle-là date il y a très longtemps. Je l'avais faite il y a super longtemps. Et voilà, je l'ai utilisée pour ce petit bijou de sac. Avec des plumes et des papillons. Et le deuxième bijou pour le sac à main, c'est tout en bleu, avec un petit cabochon comme ça. Avec plein d'effets, d'effets de couleur bleue à l'intérieur. Et pour terminer, après ça ne sera que les colliers. J'ai réalisé ce petit marque-poche, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de marque-poche. Donc voilà, avec un petit cabochon que j'ai aussi réalisé en polymère et poncé. Et des petites plumes et des petites perles, tout simplement. Tout en rouge. Et maintenant, on s'attaque au collier. Donc, j'ai réalisé quelques tutos, mais je vous dirai pas lesquels. Il y en a qui ne sont pas terminés, donc je ne peux pas vous les montrer non plus. Mais bon, bref, on s'en fiche, vous verrez bien au fur et à mesure. Donc, pour commencer, j'ai ces deux petits colliers-là façon petit pois. On va dire ça comme ça. Voilà. Pareil, ils ont été poncés et vernis. Ensuite, c'est pareil, c'est un duo de colliers façon gruyère, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Donc celui-ci, j'ai réalisé un œil dogmatique dans le fond et mon effet gruyère par-dessus. Et pour l'autre, j'ai fait l'inverse, donc j'ai réalisé au fond un mokumegane et j'ai rajouté les petites pastilles de l'autre collier par-dessus. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, enfin bref, voilà. Bon, cet effet gruyère là, je l'aime pas spécialement, mais bon, on fera avec. Voilà. Et pour aller avec celui-ci, il y a des petites boucles d'oreilles, toutes simples.
Ensuite, il y a ce petit collier là façon géométrique. J'ai réalisé une canne triangle, enfin ouais, une canne géométrique avec plein de petits triangles. Puis ben, j'ai fait ce petit pointif là. Et à l'arrière, j'ai fait un effet swirl avec le reste de pâte. J'ai tout mélangé, puis j'ai fait un effet swirl pour faire l'arrière du bio. Ça change des spells classiques. Le résultat pour cet effet géométrique n'est pas vraiment ce que je voulais obtenir, mais bon. Et on fait des conneries et puis on les fait pas une deuxième fois et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend aussi hein. Ensuite il me restait de l'Hidden Magic de l'ancien collier façon gruyère que je vous ai montré, du coup j'ai réalisé ce petit collier là. Enfin, c'est un très grand collier, il est assez imposant. Là j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Bref voilà. Il y a un mélange d'Hidden Magic et de Mika Shift. Ensuite j'ai réalisé ce petit collier là façon aurore boréale, entre guillemets si je peux dire ça comme ça. En fait l'effet n'a pas vraiment fait ce que je voulais, ça soit beaucoup plus marqué, mais finalement j'ai obtenu un collier assez sombre. Avec des petits sapins en bas, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas terrible, celui-là franchement il est pas terrible du tout. Et des espèces d'étoiles phosphorescentes en haut. Voilà, c'est pas naturel, non, il est vraiment pas terrible du tout. Hein. Ensuite, le collier suivant, c'est celui-ci. Donc, j'ai réalisé une canne fleur et avec le reste de ma canne fleur, et j'ai fait un effet swirl. J'aime bien cet effet swirl. Bref, voilà. Donc, j'ai un collier biface. Voilà. Et pour aller avec, eh bien, il y a des petites boucles de riz comme ça, offertes en cadeau. Ensuite j'ai ce petit collier là que j'aime vraiment bien, personnellement celui-ci j'aime beaucoup. Je l'ai appelé champ de mimosa. Voilà, donc il y a un effet bois d'un côté et puis plein de petites fleurs de mimosa de l'autre. Entre guillemets, moi j'ai appelé ça des fleurs de mimosa, mais après si chacun appelle ça comme il veut. Et les derniers colliers dans ce style là, dans ce thème là, ouais si je fais bien ça comme ça, et bien c'est celui-ci, c'est une petite pastille avec un effet ethnique. Avec un cordon en suédine pour changer. Bah, il est tout simple, mais moi j'aime bien sûr. Et il reste plus que 6 colliers à vous montrer et c'est 6 colliers sur un thème féerique. Voilà, j'ai refait mes petites chili. Non, je peux pas appeler ça la chimie, pour moi c'est pas ça la chimie. J'ai refait mes petites fées et mes petites sirènes. Voilà. Bon, à part le premier que je te montre là tout de suite maintenant, parce que ça n'a rien à voir. Mais ça reste dans le thème féerique quand même. Bref, regarde par toi-même. Donc il s'agit de ce petit grimoire féerique. Avec plein de petites fleurs, de petites roses, de toutes les couleurs. Il y a une libellule, c'est une petite breloque libellule sur laquelle j'ai rajouté des infiniata. Et il y a aussi un petit papillon. Et le grimoire a été bouffé par des champignons parce qu'on les aperçoit à travers le creux qu'il y a en plein milieu. Ensuite, on retrouve une petite sirène sur un support camé en résine qu'il y a très longtemps. Voilà, j'ai fait un effet swirl aussi à l'arrière et du coup ma petite sirène par-dessus. Donc ensuite, encore une autre petite sirène sur un sautoir et toujours avec un cadre en résine. Et pour faire le queue de la sirène, c'est comme pour l'autre sirène, justement, je l'ai fait avec ma canne dentelle pour changer. Voilà. Voilà. Ensuite, une petite fée, enfin une grande fée comparée à d'habitude, celle-ci elle est très grande, avec des ailes en résine. Et sa robe est en forme de pétales de papillon, enfin pas de pétales de papillon, c'est rien quoi. Des ailes de papillon. Voilà, et puis elle a une petite rose dans les mains.
Ensuite, on retrouve un bébé petite fée. Elle est toute petite, minuscule, sur un support camé. Et avec, dans le fond du camé, une canne fleur. Voilà. Et les ailes de ma petite fée sont en fimo liquide, donc elles sont logiquement incassables. Et une dernière petite fée, et cette fois-ci version attrape-rêve, avec toujours les ailes en fimo liquide et des petites plumes. Voilà, elle avait même une petite plume dans ses mains. Voilà, elle est toute petite, minuscule celle-ci aussi. Et donc voilà, j'ai fait tout le tour de mes créations du mois d'avril. Et puis ben voilà, c'est tout. Donc je vais redire le même speech que je dis à chaque fois, mais si vous avez des idées de tutos, si vous voulez des tutos, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je le ferai avec grand plaisir, parce que j'adore ça, ça m'amuse. Donc, et tant que je peux le faire, et ben je le ferai. Donc si vous voulez des tutos, bah, n'hésitez pas à me faire savoir. Faut juste être un peu patient parce que je suis un peu long, j'ai un petit peu de retard sur mes tutos. Mais ça arrivera quand ça arrivera, y a pas de problème. Moi j'ai qu'une parole et je reviens jamais en arrière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à faire des retours, hein, positifs ou négatifs, y a pas de problème. Moi je prends tout ce qui vient, donc dites-moi tout. Voilà. Et puis bah c'est tout, ça y est, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire. Donc bah en tout cas moi je vous fais tout plein de gros poutous et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.